Alors, notre prochaine mission, trouver le bureau. La mission de destination. Bagdad, on est de retour. Là où on a commencé l'aventure. Comme je le disais à la fin de l'épisode précédent, visuellement, c'est assez sublime. Tant de visions familières. Ravi de te revoir, Bagdad. Ah merde, j'ai pas le droit à commettre des actes répréhensibles au moment que la notoriété plus laxe est grave. Plus la notoriété augmentera, la jauge de notoriété comporte trois niveaux. À chacun d'entre eux, les habitants de Bagdad deviennent plus soupçonneux. Montre-moi donc ce que j'ai manqué. Je suis désolé, je m'excuse. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce truc hein? Texte mis à jour. Ah, c'est des éléments d'histoire. Bon, je suis pas d'accord. Site historique. D'accord, donc ça fait partie des trucs à collecter. Donc il va falloir être vigilant ou ouvrir les yeux. Montre-moi ce que tu vois. Les ennemis, ouais, ah, il peut nous les spotter. Ça c'est pour ce fond, d'accord. Classique. Ça y est. Peut-être ce jeu c'est style simulator. L'art de brigander. Bah, et vite. Ok, tout va bien. D'accord, on voit qu'il y a un coffre spécial ici. Il n'y a rien pour toi ici. Tout va bien, tout va bien. Si je finis pas en prison d'ici peu. Localisé, ouais. Que vois-tu, mon ami? Il y a plein de trucs négociants. Coffre matériel, énigme. Ah, ouais, c'est en train de couper dans tous les sens là. Mon coffre. سمعت أحدهم يقول
Mon objectif est là, hein. Vite se laisser déborder. Ça, ça peut être intéressant par contre, un point de vue. C'est l'un des premiers trucs à faire habituellement, parce que ça nous permet de spotter tout ce qu'il y a tout autour. Ça semble ici. Faire un peu grimper, t'as un... Tu peux peut-être pas monter sur tous les... J'ai assez traîné comme ça. Roshan et Foulad doivent probablement m'attendre au bureau. On se balade. Par contre, ce qu'on pourrait quand même reprocher un peu, c'est que le... l'objectif principal, là, au niveau de notre Rosas... elle finit par plus apparaître. Ok, là je suis pas loin. Ok. Comment on fait pour tous les enlever? OT marqueur. Ok. Ce serait pas toi mon marchand, hein. Non, c'est pas l'air d'être toi. Ouais, c'est un peu le Dawa leur truc, hein. Ah, ce serait peut-être là. Faut passer par au-dessus, c'est pas possible. Hein. Ah. Oh, simple. C'est donc ça, un bureau de ceux qu'on ne voit pas. Je m'attendais plutôt à un taudis. Mais certains bureaux le sont, et d'autres sont ornés d'or fin. Peu importe la nature du lieu, ce qui compte est que notre présence demeure un secret. Ce qui est assurément le cas ici. Vous avez découvert quelque chose d'utile? Rien qui indique où pourrait être Ali. Mais... Nour était en lien avec un dénommé Béchi.
Un nom que je connais comme étant celui de l'un des plus proches alliés d'Ali parmi les rebelles. Il travaille sur les quais, au port supérieur. Vois s'il se trouve dans les parages. Peut-être a-t-il découvert pourquoi Ali a disparu. J'ai trouvé quelque chose. Il semble que Nour ait tracé le plan de ce quartier. Il a indiqué les ateliers au nord. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Des sympathisants des rebelles. Si Nour a eu des raisons de s'y rendre, c'est une piste qu'il faut creuser. J'ai compris. Cette piste est assez mince, mais au moins, c'est un bon début. Foulad et moi allons tâcher d'en apprendre davantage. Sois prudent. Enquête. Le menu d'enquête affiche la progression de vos affaires à l'enquête lorsqu'il contient de nouvelles informations. Il y a un point d'exclamation qui s'affiche, ok. Dévoilement d'affaires. Les affaires nécessitent des indices pour être dévoilées. On les trouve en se rendant à certains lieux et dont les habitants, après avoir obtenu un indice, examinez-le afin de disposer de plus d'informations susceptibles d'être utiles à votre enquête. Suivre une affaire mettra à jour les informations affichées sur la carte, la boussole, dans le journal de jeu. Au fil de votre progression dans les affaires, vous ferez avancer l'enquête de Bassim et le récit. C'est original. Puis là, on voit en fond nos ennemis. Voilà, en fonction de ce qu'on sélectionne, ça nous met des marqueurs sur la carte. On va discuter avec notre ami. As-tu autre chose à me dire au sujet du quartier de Shari? En quoi a-t-il pu intéresser Nour? Ses habitants soutiennent discrètement les rebelles. Des gens ordinaires, des ouvriers, des marchands. D'ailleurs, à bien y penser, Nour avait parlé d'un nouveau contact, un marchand. Il est possible qu'il vive à Shari, probablement parmi les ouvriers des tanneries. J'ouvrirai l'œil à la recherche d'une échoppe. Ok, donc si on suit l'enquête, c'est par là qu'il faut aller. Alors ce qui est bien, c'est que à partir du moment où on s'est synchronisé, c'est des, comme d'habitude, hein, c'est des points de déplacement rapides. Hein, donc, ça va grandement nous aider. Guide-moi. Julie est un tuerie là. Qui veut se faire voler des trucs hein? Un petit instant. Derwish ? Des connaissances. Azizi ! Moi qui te croyais mort ! Je te croyais mort aussi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu... Tes vêtements, tu es devenu l'un d'eux. Mais comment ? Un de ceux qu'on ne voit pas, oui. Grâce à Roshan.
Pardonne-moi, c'est une sacrée nouvelle. M'étonne. En ne te trouvant pas parmi les cadavres, j'ai espéré que tu avais pu t'enfuir. J'ai passé bien des nuits à prier pour toi, pour que tu sois en sécurité. Et aujourd'hui, Allah a exaucé ses prières. Je ne suis pas digne de tes prières. Ce qui est arrivé cette nuit-là n'était pas ta faute. C'était celle d'hommes malfaisants. Tu le sais bien. C'est pour cela que tu as choisi de suivre cette voie. Et que j'ai trouvé la mienne à Bagdad. Ali ibn Mohammed est une bravache qui se prend pour un héros de prophétie. Je le méprise, mais nous avons un ennemi commun que je dois vaincre si je veux que mon âme connaisse un jour la paix. Ainsi c'est vrai. C'est donc toi le marchand rebelle qui aidait Nour. Qu'est-il devenu ? Il s'accroche à la vie, mais il est en sûreté parmi les nôtres. Je dois continuer son œuvre et traquer les oppresseurs de Bagdad. Ali aidait Nour à approcher l'un d'entre eux. Mais comme tu le sais peut-être, il a disparu entre-temps. Il n'a pas disparu. Il a été fait prisonnier. Un sort qui a frappé de nombreux rebelles. Et sais-tu où il est détenu ? Au poste de garde de la porte de Khorasan. Mais c'était il y a des semaines. Tu t'en vas même comme eux maintenant. Te revoir m'a fait plaisir. Fais attention à toi. Tu sais sûrement te défendre, mais je suis resté mère poule. Et Basim, si tu te sens par hasard la main, disons, leste, viens me voir. Ton aide me serait utile, pour la bonne cause, bien sûr. Ok, ça c'est fait. Contacter les rebelles. Alors, c'est quoi? C'est lié à ça? Yes, bah on va suivre la topographie des lieux. Hein. C'est assez marrant cette histoire de suivi. Après, il faudra deux points, ouais, donc autant égaliser. On va être un peu dans le. Alors, on voit qu'il y a une teinturerie. Pardon. Revenons de la hauteur. Observe bien. Nice. Ce qui est sympa dans un Assassin's Creed, c'est que tout de suite on retrouve nos marques assez facilement. C'est peut-être Béchi qui rallie ses hommes. Épaule contre épaule. Car si l'un d'entre nous tombe, c'est son voisin et personne d'autre qui l'aidera à se relever. Nous avons été diminués, divisés. Mais ici et aujourd'hui, nous tenons. Et tant que nous resterons en vie, ce combat, lui aussi, tiendra. C'est toi, Béchi ? Je suis un allié de Nour. Tu le connais, n'est-ce pas ? On se détend. Je le connais, oui. La dernière fois que je l'ai vu, il fuyait la ville comme une souris. Est-il en vie ? À peine. Mais il est en sûreté. Cette vieille mule. Comment dois-je t'appeler ? Basim. Très bien, Basim. Dis-moi, as-tu une autre lame que ce couteau à beurre ? Tu pourrais avoir besoin de quelque chose d'un peu plus efficace. Pourquoi donc ? Vous comptez aller chercher Ali ? Pas encore, non. Il n'y a ici que la moitié de mes hommes. Les autres sont retenus au port, un peu plus loin. Nous sommes probablement trop peu pour lancer un assaut. Alors si tu veux libérer tes hommes, mieux vaut jouer de prudence. J'irai, discrètement. Que ces hommes attendent ici, pour escorter ceux que nous libérerons. Vous avez tous la même manière de penser.
Mais le plan est bon. Examine les lieux, Guido. Ok, il y a un coffre. Ok, il y a trois rebelles. Il va falloir libérer tout ce petit monde. Bien sûr, la zone est en... Persona non grata. C'est des mines, ça. Trop loin. Sauf que là, ça va pas détruire leur monde. Au secours ! Il me faut de l'aide ! Merci. Allez sur les quais, retrouvez Béchi. D'accord. Discrétion, c'est raté. D'accord, les civils nous goulent. Hey. Ah.
D'accord. Pan. Je dois partir. Ah, il est en mode recherche lui, ça fait comme dans PD en fait, quand on a utilisé tous les beepers. Je peux l'assassiner. Alors on a chopé les clés tout à l'heure. Ah, on a chopé des clés. Merci beaucoup, l'ami. Il en reste un. Je vais te tuer. Quand je te trouve, je t'écorche. Tu n'es pas là. Que Dieu ait pitié. Bah, j'aurais apprécié que la notoriété baisse. Ah, c'est lui. Garde, il est là. Attrapez-le. Quelle balance, hein. Ok. Oh les salauds. Alors pour baisser notre notoriété, on l'a vu, on va payer. Je crois que c'est ce truc là. Annulation de la notoriété en échange d'un jeton de pouvoir. Où il y a également des affiches comme ça. Mieux vaut rester discret. Qu'on peut arracher et ça nous fait chuter le truc dedans. Alors faut se balader pour les trucs d'avant. On a une nouvelle à 40 mètres. Faut qu'on se rasera, on va pouvoir retourner là-haut. Bon, maintenant notre notoriété a baissé, on va pouvoir. Allez, tranquillement. Chercher le troisième. Hey. Oh mon Dieu, il vient de tuer quelqu'un. Bon, il faut que je file d'ici. Il n'y en a plus. Je dois maintenant les rejoindre. Ok, plus d'argent là-bas.
Tu es tenace, Basim. Je ne fais que mon devoir. Ensemble, nous mettrons fin aux malheurs de cette ville. Ces malheurs sont l'œuvre d'Al-Ghul, celui dont on ne fait que parler sans jamais le voir. Que peux-tu me dire à son sujet? Il s'empare des ennemis du califat et les envoie creuser dans le désert. Prisonniers, rebelles, ouvriers, pour y chercher je ne sais quoi. Ces hommes avaient été capturés en même temps qu'Ali, il y a des semaines, et devaient finir leur vie dans le sable. Pas Ali. Il a été emmené ailleurs. Ils nous ont marqués et séparés. Ali était dans un autre groupe. Il tenait à l'interroger à propos de toi et de tes amis. Peux-tu me montrer cette marque ? Qu'as-tu en tête, Basim ? Ali et Nour se sont suffisamment approchés d'Al-Ghul pour qu'ils le remarquent. Si nous trouvons Ali, il pourra nous mener à Al-Ghul. C'est une solution, oui. Mais il y en a peut-être une autre. Je vais aller où ces hommes étaient envoyés creuser et me faire passer pour un prisonnier. Tu es devenu fou. Entêté seulement. Tiens, prends ceci. Que suis-je censé en faire? C'est un jeton de Khidma. Ceux qui en connaissent la valeur feront ce qu'ils pourront pour t'aider. Je vais envoyer ces hommes au moulin à eau, dans les faubourgs du Nord. C'est une place forte rebelle. Tu y seras le bienvenu. Wafakakallah. Barakallah, Ofik. Nouvelle affaire classée. Les jetons, c'est une forme de monnaie utilisable pour s'assurer les services des factions. On en obtient en menant bien des contrats, ouvrant certains coffres ou en détroussant des gens dans la rue. Donc, on a terminé cette seconde enquête. Bien, on va continuer. Poste de la garde de la porte. Dernier emplacement connu d'Ali. C'est ici. Trop vouloir que j'ai une... Dis-moi, vous vous entendez bien, le scribe et toi? Pas vraiment, non. Il croit que son rang l'autorise à parler à tort et à travers. S'il me met encore des bâtons dans les roues, je le tue. Et qui s'occupera des listes de prisonniers, alors? Toi? Tu ne sais même pas ajuster tes brassards, alors écrire. Je veux bien apprendre. Et si ça peut nous permettre de nous débarrasser de ce chacal? Trouver les registres des prisonniers. Hey! Une minute. Je vais te faire manger ta rame! Ça sent un feu! Pas curieux, hein. Quelque chose me dit que je vais avoir besoin de la clé. Oh.
À un moment donné, il semble être près des... Il y a une cloche, d'accord. Il est retourné à... Celui-là ressemble à un scribe. Ah bien. Merde, la cloche, je peux pas la couper. Dommage. C'est bien parce que naturellement il va le cacher dans les fougères. Par contre, le bidon il a. Peu importe, ils reviendront. Il en a rien à faire. À dormir. Qu'est-ce qu'il va faire? Laisse-moi donc garder cette clé pour toi. Un petit peu nettoyer la zone là. Voilà qui ressemble à un logement de scribe. De prison. Et toutes sont associées à des marques distinctes. Nouvelle affaire classée. Rejoindre le bureau. Mais à la place d'Ali, j'aurais agi de même. La cohésion d'une armée dépend après tout de son soldat le plus lâche. Assalamu alaikum, Bassem. Wa alaikum assalam, Ahmad. Comment s'est passé ton voyage? Moi, c'est Abu Jafar. Ah, pardonne-moi. Il y a un problème? Pas encore. Mais nous avons appris qu'Ali préparait un accord avec nous. En vue d'approvisionner les rebelles, en échange de son aide. L'ordre est une épine dans sa sandale, oui. Mais c'est le califat que vise Ali. Il voudra que nous honorions ce marché. Toi, quelle nouvelle as-tu? Notre cible est appelée Al-Rul. Il emploie des prisonniers et des ouvriers à creuser à l'extérieur de Bagdad. Ali et certains de ses hommes ont été capturés et marqués. Béchi et moi en avons libéré la plupart. Mais Ali avait été emmené ailleurs pour être interrogé. L'un des rebelles m'a montré sa marque. Si la liste des captifs est exacte, Ali a été envoyé à la prison de la Porte de Damas. Où sont les rebelles à présent? À un moulin, dans les faubourgs du Nord. Je vais aller les voir. Vous, tâchez d'en savoir plus sur ce marché. Trouvez Ali. La prison de la Porte de Damas est la mieux gardée de tout Bagdad. Cela promet d'être un défi de taille. Tu peux me croire. Je vais aller en reconnaissance. Retrouve-moi près de la porte de la prison. Aurais-tu un instant à m'accorder, Bassim? J'ai à te faire part de quelques idées utiles. Je suis tout ouïe.
Tout d'abord, j'ai préparé un panneau rassemblant les informations de nos espions en ville. N'hésite pas à le consulter. Ensuite, tu pourras trouver pléthore de matériaux permettant d'améliorer tes armes. Va voir Jawar, le forgeron, près d'ici. Il pourra t'aider. Enfin, je peux t'aider à améliorer tes outils. Apporte-moi des matériaux, et je te montrerai à quel point mon talent est sans égal. Amélioration d'outils. Chacun de vos outils peuvent être améliorés et personnalisés à l'aide de divers effets. Pour améliorer un outil, rendez-vous à l'un des frères Banu dans un bureau de ce qu'on ne voit pas. Service pour travailler, je crois qu'on l'a déjà dit. Les couteaux. Alors, on a récupéré quelques trucs quand même. Capacité de munitions, augmentation de la distance de lancer, augmentation des dégâts. Je peux vous demander si c'est sympa. Ah oui, d'accord, on peut sélectionner. D'accord, et peut-être après, en augmentant les échelons, on pourra en choisir d'autres. Toujours plein de ressources. Merci, Abu Jafar. Ah, ça nous a déverrouillé le notre objectif final. Faut que je le trouve à la prison de la porte de Damas. Ça sera ici. Ok. Eh bien écoutez, on verra ça lors de notre prochain épisode.